ça qu'a fait à tout abonné teaser pour moi yo. Bienvenue encore channel pour là pour une nouvelle vidéo. Fait actualité football là nous connaît nous dans moment fin Liga, mais mardi, mercredi et puis jeudi c'est prêt à la déroulement 36e journée. Mais match nul entre Barcelone avec Atlético de Madrid là avec un match nul Real Madrid avec équipe Sevilla qui était Liga jante avant 35e journée avec 2 points avance pour continuer au sous catalan avec Merengue yo. Mais prochaine journée après reparti sous 3 jours et a jouer mardi, mercredi et puis jeudi. J'ai fait répartition match pour jouer ça au capable yon sort en raison des situations compétition vigne yon leader chaque jour. Mais mardi ça a premier dans 3 prétendants qui gagne premier place à jouer c'est équipe FC Barcelone. Mais Jornal Koeman yo pral gen obligation pour battre Levante si yo vle rete dans course pour titre là. Jean Journal Mundo Deportivo titre que Barça doit gagner pour le mettre pression sur Atlético de Madrid. Mais en cas de victoire équipe catalane a même atteint tête classement avec 78 points et a bail toute pression sur Atlético de Madrid qui pral jouer mercredi contre équipe Real Sociedad là qui c'est un adversaire qui toujours compliqué. Mais pour ta reprendre avant ça en cas de victoire équipe FC Barcelone, équipe Diego Simeone a ta doit gagner ou au moins faire un match nul contre équipe Sociedad là. Mais s'il fait nul là, vous voyez un grand porte pour équipe Real Madrid. Et dans cas ça avec un nul là dans Wanda Metropolitanoa et malgré possible victoire avec FC Barcelone, Real Madrid capable prendre tête à Liga s'il prend 3 points dans match li a contre équipe Granada. Dans cas ça dans fin journée ça capable gagner 3 égalité dans tête à classement avec 78 points qui a quitté joueur Zidane leader. Mais on analyse classement si toutefois Barcelone ta bat et Atlético Madrid fait nul puis Real Madrid a bat, et bien yon Liga qui charge suspense. Moi invite nous suivre fin saison ça avec un pile passion parce que gagne un pile plaisir la donne. On a comment qui te parler sur événement qui te passé dans match Real Madrid côté équipe Sevilla, yon polémique arbitrage qui te fait un pile parler après match là. Mais comment on te explique que moi pas bien placé pour me parler de ça après ça qui fin passé là. Moi même moi pas connait qui les gagne mais et qui les pas gagne mais entraîneur avec joueur pas connait exactement les gagne mais parfois gagne pénal parfois pas gagne. Et comment on va continuer pour dire moi t'es très nerveux l'aime t'as regardé l'autre match yo. Donc moi t'ai regardé 20 minutes dans match Real Madrid côté équipe Sevilla et puis moi viré là sous Juventus Milan qui t'a joué dans même moment pour me pas souffrir. Mais c'est ensemble deux paroles ça qui néerlandais Barcelone t'a avoué Diego Simeone qui t'a pris le bail à position par la sous dossier VAR là pour le dédier football la plus juste avec un vidéo utilisation VAR là capable d'améliorer c'est sûr mais l'hypothèse plus justice dans football là et tu l'as ajouté pour le dédier travail coach c'est améliorer équipe à entraîner yo en oublier habitué à toujours gain polémique dans football là entraîner yo gain pour occuper des équipes yo faire yo jouer plus bien et ben nous gain 90 minutes pour nous faire ça après ça gain habit là gain VAR là gain Ferland Mendy 25 ans qui rechuté encore rien pas souri pour français. A bien déjà été touché dans molette ça gagne à peine 2 semaines mais international en français a blessé encore cette fois-ci c'est dans Tibia et le club là qui annoncé ça à travers un communiqué qui diffusé mardi ça après test qui effectué jeudi a sous joint nous en Ferland Mendy mais pas service médical Real Madrid diagnostiqué un périostite tibia là en attente évolution. Je nous capable aller sur site internet à club là dirait indisponibilité à pour connait MMA à un mois de EOA situation latéral gauche très inquiète depuis dans mercato hiver là mais Barcelone a cherché renforcer défense centrale là avec un pile blessé saison ça bien club catalan té ciblé Eric Garcia pour remplacer naturellement Gérard Piqué mais défenseur espagnol là Manchester City a pas de passer trop loin pour signer en janvier passé là mais il a doué premier recrue FC Barcelone pour été ça mais selon information Mundo Deportivo Eric Garcia c'est la premier recrue FC Barcelone pour saison 2021-2022. Après plusieurs mois de discussion, ben jeune joueur a quitté formé dans la Masia, tombé d'accord et va retrouver le club formaté. Il souhaite être en fin saison City pour officialiser le transfert. Annonce à devenir juste après finale Ligue des Champions, puisque joueur 20 ans, lui-même a terminé commencé EOA étant qu'il y a un joueur FC Barcelone. Mais selon le monde Deportivo Club, Blaugrana a étudié toujours possibilité pour faire venir attaquant argentin Sergio Aguero, qui est contre lui, a fini à Manchester City en juin. Mais argentin lui-même a terminé prêt pour baisser salaire pour rejoindre le club catalan. Edison Cavani prolongé jusqu'en 2022 avec Manchester United. Et bien, attaquant Uruguayen 34 ans finalement décidé de rester une année supplémentaire en Angleterre avant de revenir éventuellement en Amérique du Sud. Ancien Parisien a annoncé depuis plusieurs semaines dans l'équipe Boca Juniors. Cavani qui va toucher un montant de 290 000 euros par semaine dans l'équipe Manchester United. Là. Andrés Iniesta pour décider de bail football vaga puisque il prolonge contre lui au Japon. Et bien, ancien international espagnol a fêté jeudi mardi à 37 ans. Li signe un nouveau contrat pour 2 saisons avec l'équipe Vissel Kobe
soit jusqu'en 2023. Juventus qui n'a problème dans classement Serie A en Italie. Nous connaissons top 4 là qui synonyme en Ligue des Champions, mais Juventus pour connaître s'il prend dans Ligue des Champions année cap vini. Même si il a battu 3 matchs qui rete yo, ça pas suffit parce que il dépend tout des résultats Atalanta qui 2e et puis Milan c'est qui 3e avec Napoli qui 4e. Mais est-ce que Juventus a raté Ligue des Champions? Le bagarre qui beaucoup fait en 2012 pour Cristiano Ronaldo que nous beaucoup jamais on bagarre comme ça depuis 2003. CR7 a semé buter championnat ça avec 53 goals. Il rete un seul match seulement pour lui égaler record joueur qui joue plus match qui c'est Iker Casillas qui c'est 177. Mais si Juventus a pas qualifié pour Ligue des Champions, mais la perdu 80 millions d'euros et c'est pas certain que Juventus a capable de supporter salaire annuel Cristiano Ronaldo qui c'est 54 millions d'euros brut et sous contrat jusqu'en 2022. Mais si Juventus parle dans Ligue des Champions, ça c'est sûr qu'il y a une hypothèse de départ pour Cristiano Ronaldo. Bien emblématique gardien équipe Juventus à Gianluigi Buffon 43 ans qui était retourné après il était fini passer un an en équipe Paris Saint-Germain en France. Mais champion du monde 2006 a annoncé sous BN Sport et qui relayé par Gazeta dello Sport qu'il va quitter Juventus en fin de saison. Avenir moins clair. Belle et très longue expérience avec Juventus ta prend fin définitivement saison ça. Soit moins pas jouer encore, soit moins jouer une situation qui incite me jouer ou vivant une expérience de vie différente et m'a prendre en considération. Capable comprendre un gros page dans l'histoire bien connu Rio cap fermé là. Nous revenons fin vidéo acheter était jusque là qu'on a son monde qui vraiment spécial pour nous. Quand on va même après trouver dans l'autre vidéo sur Tizeboul Channel actualité football Paula.